وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد serviteur d'Allah Allah tabarak wa ta'ala quand il aime une personne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand Allah ta'ala veut du bien à une personne yufaqihu fi d-din il le renversait dans les sciences de la religion وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ apprendre et se renseigner et découvrir les sciences religieuses, c'est la chose la plus noble pour un musulman, car c'est avec ce moyen-là qu'il apprend à adorer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il apprend à connaître Allah, tabarak wa ta'ala, puis il apprend à connaître ses règles, c'est qu'il a réglementé pour l'être humain. Et alhamdulillah, le Coran, comme vous le savez, Allah Tabarak wa Ta'ala l'a révélé comme guidé et comme preuve pour les gens. Au long des 23 années du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été révélé, fractionné selon les différentes situations. C'est pour cela que l'on trouve qu'il y a certaines sourates qui sont mécoises et d'autres médinoises. Selon les situations par lesquelles ou avec lesquelles il a été révélé. Et il faut savoir une chose. Souvent, on cite la cause pour laquelle le verset a été révélé. Ceci est fait pour mieux comprendre le sens de ce verset. Mais cela ne veut pas dire comme les savants disent, les règles, on les tire selon la généralité du texte. Selon tous les sens que le texte du Coran ont cité. Et on ne rend pas le texte restreint à la cause pour laquelle il a été révélé. Je vous donne un exemple, pour que ce soit plus clair. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ » La cause de la révélation de ce verset, c'était un rappel pour les compagnons de ne pas se jeter eux-mêmes à leur perte en délaissant le djihad fi sabilillah. Mais aujourd'hui, ce verset, il est propre à être utilisé dans un sens plus général que ça. Toute chose qui peut mener à la perte de l'être humain, même sa perte physique, sa santé ou le fait de se suicider, ce verset est utilisé comme preuve pour cela. Bien que la cause de sa révélation n'est pas cela, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre cette règle. Al-ibratu bi'umum al-lafzi wa la bi-khususiyati al-sabab. Tayyib. Donc le Coran, Allah tabarak wa ta'ala l'a révélé comme miséricorde pour les mondes et comme guidé. Subhanahu wa ta'ala. Et il a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre ce Coran et pour transmettre aussi la Sunna qui est elle aussi révélée, qui est elle aussi révélée par Allah tabarak wa ta'ala, comme on va le voir dans l'explication des versets que nous allons citer, Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer en commençant Surat al-Baqarah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter sur les règles détaillées de chaque verset. Car sinon, on ne finira même pas dans l'année une trentaine de versets. Car, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala, ses richesses, sa parole, elle est tellement riche
Et elle comporte tellement de trésors que si on s'arrêtait sur chaque fruit que l'on veut en tirer, règles religieuses, sagesse, les règles de grammaire, les moyens que les Arabes utilisaient dans le balard, on ne s'arrêterait pas. Mais l'objectif ici, c'est de donner une explication générale des versets et d'en profiter pour comprendre son sens général et les règles générales et les sagesses générales qui sont liées à ces versets du Coran. Le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas révélé pour qu'il soit mis juste dans des livres et posé au-dessus des étagères. Le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé pour qu'on le lise, qu'on l'apprenne, qu'on le médite, qu'on le comprenne, qu'on le mette en pratique, qu'on l'enseigne, qu'on juge avec lui, que l'on règle nos litiges avec le Coran, qu'on se cherche à se soigner par le Coran. Le Coran, il est fait pour être dans la vie du musulman. Il n'est pas fait pour être dans la commode du musulman. Le Coran, il n'est pas fait pour être accroché sur les voitures. Le Coran, il n'est pas fait pour ça. Le Coran, il est fait pour être récité et pour adorer Allah tabarak wa ta'ala par sa récitation, pour en comprendre ses sens et le mettre en pratique. Le Coran est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et la parole d'Allah tabarak wa ta'ala non créée. Allah a parlé avec le Coran. Et Allah parle comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Parmi ses attributs, c'est qu'il parle, Allah tabarak wa ta'ala, d'une manière qui lui est propre et d'une manière qui convient à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. On commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, ça s'appelle Al-Basmala. Al-Basmala, les savants ont divergé. Est-ce qu'elle fait partie du Coran, celle que l'on dit avant de lire les sourates, ou non? والصحيح والعلم عند الله, c'est qu'elle fait partie du Coran. Mais ce n'est pas un verset de la sourate d'avant, ni même un verset de la sourate d'après. C'est un verset à part entière du Coran. C'est pour ça que les sahaba, radiyallahu anhum, dans Mushaf al-Imam, ils écrivaient le basmala. Et ils se sont mis d'accord, il y a eu consensus entre les sahaba qu'ils ne devaient écrire dans le Mushaf de Uthman, de Mushaf al-Imam, que ce qui fait partie du Coran. Ne mettre rien d'autre que ce qui fait partie du Coran. Et ils écrivaient la basmala. Ce qui prouve que le fait qu'ils l'ont écrite, elle fait partie du Coran. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ne l'ont pas écrit lié à la sourate d'avant, ni même au début collé à la sourate d'après, mais ils l'écrivaient sur une ligne seule. Ils écrivaient la sourate, puis ils sautaient une ligne, ils mettaient le basmala, puis ils sautaient une ligne, ils mettaient la sourate d'après. Ce qui prouve que la basmala fait partie du Coran, mais elle ne fait pas partie des sourates en entier, des chapitres. Sauf pour sourate al-Fatiha ou pour sourate al-Naml, la lettre qui a été envoyée à la reine de Saba, wa innahu min Sulayman, wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc celles-là, elles font partie de l'intérieur de la sourate. Aussi, il y a seulement une exception, une seule sourate ou deux sourates entre lesquelles, entre les deux, il n'y a pas de basmala, entre l'Anfal et l'Tawba, il n'y a pas de basmala entre les deux. Wadih? C'est comme ça que cela a été transmis bit-tawatur par un grand nombre qui l'ont appris par cœur et qui l'ont transmis par cœur. Il faut savoir aussi une autre chose. Donc aujourd'hui, on rappelle certaines bases qu'on avait déjà dit auparavant dans les introductions. Juste un petit rappel. La base du Coran, c'est l'écoute et l'apprentissage par cœur. La base n'est pas son écrit. Ils l'ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur. Et ils l'ont transmis par cœur. C'est-à-dire des centaines et des milliers de sahaba l'ont appris par cœur.
et ils l'ont transmis tous par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chaînes de transmission depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Tous les noms de sahabi qu'il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tabi'i à qui il l'a donné, puis lui qui l'a donné au tabi'i jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle l'ijazat. Quand on dit quelqu'un, on dit il a une ijaza dans le Coran, c'est qu'il a une chaîne de transmission depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit dans le texte, que ce soit dans la manière de le réciter. Et tellement Allah Ta'ala a préservé le Coran, il n'a pas préservé seulement son texte et son sens, il a préservé même sa prononciation et les règles de prononciation qui sont liées au Coran, les règles de tajwid. Avez-vous vu une précision aussi grande? Les manières de réciter, le nombre de temps qui doit être donné à la lettre, aux longueurs, aux moudoud, comment la shadda est faite, sifatul huruf, makharijul huruf, la manière dont la lettre est prononcée, tout ça en détail. Cela a été entendu et récité et détaillé par l'a'imma, par les imams de l'islam. Donc cela prouve comment Allah Ta'ala a préservé ce Coran, subhanahu wa ta'ala, et il l'a dit lui-même. C'est nous qui avons révélé al-dhikr, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Al-dhikr, dans ce verset, cela concerne le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux, c'est du dhikr. Et Allah s'est chargé de préserver autant le Coran que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a préservé le Coran par les connaisseurs du Coran qui l'ont appris par cœur et transmis par cœur. Et il a préservé le hadith par les connaisseurs du hadith et les muhaddithin qui apprenaient les chaînes de transmission, qui les étudiaient, qui les apprenaient par cœur et les transmettaient par cœur. Il n'y a pas dans le monde une science ou une religion aussi préservée au détail, à la lettre près, à la prononciation prête comme l'islam. Jamais ça a existé. Même les archives, même les histoires, toutes les règles qu'ils peuvent connaître aujourd'hui dans la science, ce n'est pas aussi précis que les règles du Coran, les règles de transmission du Coran et les règles de transmission du Hadith. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette science qui a été étudiée dans Ulum al-Quran, les sciences liées au Coran, les exceptions, Rahma, comment on écrit Rahma, Rahmatullah, avec un ta marbouta, avec un ta maftouha. Il y a des choses qui sont spécifiques au Coran, dans la manière de l'écrire. Même ça, ça a été préservé. La manière de le prononcer, la lettre, même le souffle. Est-ce qu'on sort un souffle ou on ne sort pas un souffle quand on dit la lettre? Les gens qui connaissent le tajwid, ils connaissent ça. Huruful hams. C'est-à-dire, vous imaginez quelle précision. Si un message est préservé à ce point-là, alors quelle est son authenticité? C'est la certitude. C'est pour cela que quelqu'un qui doute sur un point du Coran, une lettre du Coran, un verset du Coran, ne peut être musulman. C'est un kafir. Car il a douté dans la parole d'Allah. Wadih. Naam. Tayyib. On revient à la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on a dit que la basmala, fil qawli sahih, elle fait partie du Coran, mais c'est un verset à part entière. Et le sens de bismillahirrahmanirrahim, quand eux ils le traduisent en français, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, quoi? Bismillah. Il y a un sous-entendu ici. C'est-à-dire, je commence au nom d'Allah. Je m'appuie par tous les noms d'Allah, Bismillah, par tous les noms et les attributs d'Allah sublimes, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ir-Rahim. Et il a cité, après subhanahu wa ta'ala, ces deux qualités qui sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala, il a créé les créatures et il a écrit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône. Ma miséricorde est prépondérante à ma colère. Walhamdulillah. Allah Ta'ala n'a pas commencé le Coran par Bismillah al-Aziz al-Qahhar. Mais il montre, subhanahu wa ta'ala, qu'il est miséricordieux et qu'il a voulu faire miséricorde à l'univers et à l'humanité en révélant ce Coran qui est une rahma. En envoyant ce prophète qui est une rahma, rahmatan lil'alamin. Alif, Lam, Mim. Ce sont des lettres de l'alphabet arabe. Beaucoup de mufassiroun se sont tentés à expliquer cela. Et en réalité, il y a un sens. Allah Ta'ala ne révèle pas
ne dit pas quelque chose sans qu'il y ait un sens. Il n'y a pas quelque chose dans le Coran qui n'a pas de sens. Tout ce qu'il y a dans le Coran a un sens. Mais l'explication de ce sens-là, il y a certains points dont l'être humain arrive à découvrir, à savoir quel est le sens, et d'autres points dont la science est auprès d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça les savants de la sunna disent al-aslamu, le plus sûr, comme l'imam Sirdi a dit, c'est de dire en parlant de ces lettres-là, qui sont au début des surahs, c'est de se taire sur leur sens réel. Car on n'a pas une preuve de la législation authentique, ni un verset, ni un hadith authentique, qui peuvent nous donner un élément pour trancher et dire clairement que son sens est tel. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il ne l'a pas révélé non plus futilement. C'est pour un objectif, pour une sagesse, subhanahu wa ta'ala, walakin, on ne la connaît pas. Et ça, c'est pour commencer le Coran par cela, après le Fatiha, pour montrer l'ignorance de l'être humain. Toi, être humain, trois lettres de l'alphabet, tu n'es pas capable de le comprendre. C'est comme si je te disais, toi, même l'alphabet, tu ne le comprends pas. Tu es tellement ignorant que l'alphabet que je t'ai mis ici, tu ne le comprends pas. C'est pour montrer l'ignorance de l'être humain face à la connaissance d'Allah, tabarak wa ta'ala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dhalika al-kitab la rayba fi. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin, qui est une guidée pour les gens pieux. Donc ici, Allah tabarak wa ta'ala dit en parlant de ce grand livre qui est le Coran al-Karim, qui est un livre qu'Allah tabarak wa ta'ala a révélé, dans lequel il y a des nouvelles du passé, des nouvelles de l'invisible, des nouvelles du futur, des règles de la vie, des règles religieuses, des histoires des prophètes, des règles liées aux interactions sociales. Ce livre et ce qu'il contient, la raïba fi, il n'y a aucun doute dessus. C'est un livre dans lequel il n'y a aucun doute. Car c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole du Créateur subhanahu wa ta'ala. Aucun doute ne doit exister vis-à-vis du Coran et de ses versets et de son contenu et de ses sens. C'est un livre sur lequel il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui est voulu par cela? C'est son contraire. C'est quoi le contraire du doute? La certitude. Donc, c'est un livre dont on doit être sûr. Donc, quand Allah Ta'ala renie ici qu'il y a un doute dans le Coran, on affirme son contraire d'une manière parfaite. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, son livre, c'est un livre de certitude. C'est un livre sur lequel on ne doit avoir aucun doute. Hudan lil muttaqin, qui est une guidée pour les gens pieux. Tayyib. Le Coran, c'est une guidée seulement pour les gens pieux ou c'est une guidée pour les gens? Dans un autre verset, il a dit hudan lin nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Hudan lin nas, une guidée pour tous les gens. Et ici, il l'a restreint. Et il a dit « Hudan lil muttaqin », une guidée pour les gens pieux. En vérité, la guidée, elle se partage en deux sens. « Hidayatud dalalati wal irshad wat ta'lim », de l'enseignement, de diriger, d'orienter. Ceci est pour tout le monde, pour tous les gens. Donc le Coran est venu comme une guidée, comme une orientation et comme une direction pour tout le monde, pour toute l'humanité. Mais la guider, comme on a dit, c'est dans deux sens. Une fois que la personne, on lui a montré le chemin à prendre, elle sait comment être guidée. La guider ne peut être réelle que quand elle emprunte ce chemin, quand il a eu la permission de pratiquer ce qu'il y a dans cette guidée. Et ça, c'est la deuxième partie. Hidayatut tawfiq. La guidée de la permission. C'est-à-dire qu'Allah te donne la permission, ou bien la permission d'être guidé. Allah te donne la permission d'agir avec cette guidée. Et cela n'est que pour les muttaqin.
C'est pour ça ici, il dit Hudal lil muttaqin. Ce livre n'est une vraie guidée que pour les gens pieux, car c'est eux qui profitent des deux guidées du Coran, de la guidée, de la direction qu'il faut prendre et de la pratique de cette direction, de la permission d'Allah d'avoir mis en pratique et d'avoir emprunté ce chemin qui est le chemin de la guidée. Donc, les gens pieux, ce sont ceux qui ont pris la plus grande cause, les meilleures causes pour pouvoir avoir cette guidée. C'est quoi le taqwa ? C'est de pratiquer les ordres d'Allah selon une lumière d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en espérant la récompense d'Allah. Puis, délaisser les interdictions à la nourim min Allah, avec une science venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. Donc la taqwa, cela concerne tout cela. Mettre en pratique avec science, en espérant la récompense d'Allah, et délaisser avec science, en ayant crainte du châtiment d'Allah. Les gens pieux, ce sont ceux qui méritent le plus la guidée, car c'est eux qui ont cette caractéristique de mettre en pratique les ordres d'Allah et de délaisser les interdits. Donc ce sont eux qui sont les mieux guidés et qui sont les bien guidés, car ils ont pratiqué, ils ont mis en pratique et ils ont emprunté le chemin de la guidée. Ils ne se sont pas suffi de l'écouter et de la connaître, mais ils l'ont appliqué. Car une connaissance, quand elle n'est pas pratiquée, c'est une preuve contre toi. Alors qu'une connaissance qui est pratiquée, فَهِيَ حُجَّةٌ فَهُوَ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ هَذَا الْعِلْمُ حُجَّةٌ لَكَ. Cette science est une preuve pour toi, يوم القيامة. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent comme il faut la salat et qui dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué ou octroyé. Donc, après qu'Allah Ta'ala a parlé des muttaqin en général, c'est-à-dire la généralité, un muttaqi, c'est celui qui met en pratique tous les ordres d'Allah avec science, en espérant la récompense d'Allah, et qui délaisse les interdits avec science, en ayant crainte du châtiment d'Allah. Maintenant, il a détaillé, subhanahu wa ta'ala, une partie des caractéristiques des muttaqin. Une partie des qualités qu'ont les muttaqin, les gens pieux, ceux qui croient en l'invisible. La réalité de la foi, c'est quoi ? C'est d'avoir la confiance totale et l'acceptation totale de ce de quoi nous a informé Allah, puis son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on regarde bien, ce qui est venu d'Allah, puis de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ? Des mughayyibat, des choses faisant partie de quoi ? De l'invisible. Car croire dans ce qu'on voit, ce n'est pas la qualité spécifique aux croyants. Le mu'min et le kafir, ils croient en ce qu'ils voient. Wadih ? Amma le croyant, il croit en ce qu'il voit, mais avant cela, il est prêt même à démentir ce qu'il voit pour croire en ce qui a été révélé par Allah, tabarak wa ta'ala. Contrairement aux gens qui sont dans une pensée matérialiste, et contrairement aux zanadiqa wal malahida, les athées et les gens qui croient qu'au matériel, alors cela, ils ne croient que en ce qu'ils voient, contrairement aux croyants. Donc, fait partie de alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Premièrement, tout ce qui concerne ce dont Allah Ta'ala nous a informé de l'invisible, que ce soit sur sa propre personne, subhanahu wa ta'ala, que ce soit ses attributs, que ce soit ses qualités, que ce soit ses actes, subhanahu wa ta'ala. On y croit comme Allah nous l'a informé. On y croit comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a informé. Sans aucun doute, sans en amener une interprétation pour en changer son sens, sans les falsifier et sans non plus les faire ressembler, surtout pour les qualités, on parle des qualités et des attributs d'Allah, aux attributs des êtres humains. Après, pour le reste, pour tout ce qu'Allah a informé de l'invisible, que ce soit dans le passé, les histoires des peuples passés, les histoires des prophètes ou des peuplades passées, des châtiments et ce qui s'est passé dans le monde du Barzakh et avec Adam alayhi salam et Hawa et Iblis et ses enfants, etc. Et les anges, tout ce qui se passe dans l'invisible, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur.
tout ce qui se passe dans le paradis et l'enfer et le jour du jugement dernier, et tout ce qui va se passer dans l'avenir. Que cela vienne du Coran ou que cela vienne de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci fait partie de Alladina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salat. Al muttaqun, les croyants, ils ne se suffisent pas de reconnaître, mais avec cela, ils agissent. Wa yuqimuna as-salat. Et ils accomplissent correctement la salat. Vous verrez ici que Allah Ta'ala dans le Coran, dans ce verset, de toute façon dans tous les versets qui parlent de cela, et même les hadiths, il ne parle pas de faire la salat. Car faire la salat et accomplir parfaitement la salat, ça n'a rien à voir. Faire la salat, c'est la faire en apparence. Alors que accomplir la salat correctement, cela veut dire de respecter ses conditions de validité, de respecter ses piliers, de respecter ses obligations. Donc le côté apparent de la salat doit être valide et le côté caché aussi. Que cette salat, elle est une âme. Et c'est quoi l'âme de cette salat? C'est la concentration, la discussion avec Allah. La personne, elle parle à Allah. Allah lui répond, comme il est venu dans le hadith sahih, le hadith d'Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah lui répond. Il dit, mon serviteur m'a loué. Il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, etc. Il y a une discussion. Donc la salat, accomplir la salat, c'est l'accomplir parfaitement dans ce qui en est apparent. Les conditions de validité, ses piliers, ses obligations, puis dans ce qui est caché, qui est l'âme de la salat, c'est la présence du cœur et l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme Allah ta'ala a dit, « Wa aqimi salata li dhikri » et accomplis la salat pour établir mon rappel, mon évocation. Donc l'objectif de la salat, et l'évocation d'Allah, et son invocation, et son adoration, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'une vraie salat qui préserve la personne de tomber dans les perversités et dans les choses répréhensibles, c'est la salat dont la personne est concentrée dans cette salat. Allah ta'ala dit, certes, ce sont les croyants qui ont réussi, ceux qui sont concentrés et humbles dans leur salat. Comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se tenait debout des heures, il s'inclinait des heures, se prosternait des heures, il récitait le livre d'Allah et a invoqué son Seigneur, jusqu'au point où Aïcha radiallahu anha lui a dit, pourquoi fais-tu cela au messager d'Allah, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Pourquoi elle lui a dit ça? Car ses pieds gonflaient et se craquelaient tellement il restait debout sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il ne me plairait pas d'être un serviteur reconnaissant? Sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba aussi, ils étaient comme ça. Et Allah Ta'ala parle de ces gens-là qui connaissent Allah Tabaraka wa Ta'ala, les savants. N'est-ce pas que celui qui est debout toute la nuit, en prière, incliné, prosterné, qui a peur du châtiment de son Seigneur et qui espère sa miséricorde, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils? Qu'est-ce qu'ils disaient les sahaba sur ce verset? Ils disaient c'est Uthman ibn Affan. Pourquoi? Ils lisaient le Coran en entier dans le witr. Radiallahu anhu. Non. Donc, accomplir la salat, c'est une des principales qualités des muttaqin. La croyance dans l'invisible, l'accomplissement de la salat. Et d'ailleurs, dans le Coran, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Toujours, les œuvres, elles sont liées à la foi. Car on ne peut pas concevoir quelqu'un qui croit qui ne pratique pas. D'ailleurs, la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est que la foi, c'est quoi? Ce qu'il y a dans le cœur, et ce que la langue prononce, et ce que les membres font comme acte, qui augmente avec l'obéissance, et qui diminue avec la désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou par la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et qui dépensent de ce qu'on leur a octroyé dans le bien. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle que ce que l'être humain possède, cela ne lui appartient pas. Cela vient d'Allah. Car Allah ta'ala dit, « وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » Et qui dépensent de ce qu'on leur a octroyé. Et effectivement, ça fait partie aussi du tawhid, de savoir que Allah, c'est ton créateur et le possesseur. « مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ » C'est lui qui possède l'univers.
C'est lui qui te possède. C'est lui, c'est à lui qu'appartient tout ce qu'il y a, tout ce qui est là créé, subhanahu wa ta'ala. Même ce sur quoi elle t'a donné la lieutenance, il te l'a juste prêté. Allah, il nous a donné lieutenance sur terre pour voir comment on allait agir. Allah nous a donné lieutenance et nous a donné un pouvoir sur nos biens qu'il nous a octroyé pour voir comment on allait agir. Et c'est pour cela qu'Allah nous demandera des comptes sur nos biens. Si ces biens-là appartenaient seulement à l'être humain, pourquoi Allah lui demanderait des comptes ? Si Allah lui demande des comptes, c'est qu'ils ne lui appartiennent pas réellement. Ils ne sont chez lui que comme un gage, comme un prêt. C'est pour ça qu'il y a un droit d'Allah dans cet argent. Et il y a un droit pour la famille. Et il y a un droit pour les nécessiteux. Il y a plusieurs droits dans cet argent. Donc quand Allah Ta'ala dit « وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » Cela englobe la zakat, que ce soit zakat al-mal, al-fitr, tout ça, ça rentre dans le zakawat. Donc que ce soit la zakat d'un commerçant, ou la zakat des biens, ou la zakat de l'or, ou la zakat de l'argent, ou bien même la zakat des agriculteurs, de la culture, ou la zakat de ceux qui sont possesseurs d'un certain nombre de bétail. Car il y a dans tout cela un droit pour Allah, puis un droit pour les pauvres, et un droit pour les nécessiteux, la famille, etc. D'ailleurs, Allahu al-musta'an, la zakat, c'est vraiment un pilier aujourd'hui de l'islam qui est négligé et délaissé, et oublié. Alors que Abu Bakr ibn Siddiq, radiallahu anhu, a combattu, Abu Bakr et les sahaba, ils ont combattu des gens parce qu'ils ne voulaient pas donner la zakat. Ils les ont combattus jusqu'à même les tuer, car ils ne voulaient pas donner la zakat. Combien de musulmans aujourd'hui ne donnent pas la zakat ? Des années passent, ils sont imposables vis-à-vis de l'islam de donner la zakat et ils ne sortent pas la zakat. Cela, Allah tabaraka wa ta'ala les a mis en garde que le jour du jugement dernier, ils vont être brûlés sur leur argent, leur côté et leur front et leur dos. Non. Aussi, dans les obligations qui sont liées à la dépense de ce qu'Allah nous a octroyé, c'est la dépense pour les gens qui sont sous notre responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à une personne comme péché, c'est-à-dire il lui suffit pour être perdu, de négliger ceux qui sont à sa charge, sous sa responsabilité. L'homme, il est responsable de dépenser pour sa femme, pour ses enfants en premier lieu. Puis si ses parents sont nécessiteux, c'est lui, il est responsable de dépenser pour ses parents. Puis, si son frère et ses frères et sœurs sont nécessiteux, il est responsable de dépenser pour eux, bien sûr, à mesure de sa capacité et à mesure du besoin. Non. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Et ça, c'est un détail. C'est encore du détail de ceux qui croient en l'invisible. Ici, Allah Ta'ala dit, et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé. Ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans ceux qui croient en l'invisible. Mais ici, c'est pour appuyer ce point-là. Et qu'est-ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est le Coran et la Sunna. Beaucoup de gens croient que ces versets-là ne parlent que du Coran. Non. Quand Allah Ta'ala dit, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun » Il parle du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et Allah a révélé sur toi al-kitaba wal-hikmata, le livre et la sagesse. Et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Il parle à qui ici? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a révélé sur toi le livre et la sagesse. C'est quoi la sagesse? Al-hikma, c'est la Sunna. Allah Ta'ala dit aussi aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et rappelez-vous de ceux qui étaient récités dans vos maisons du livre d'Allah, des versets d'Allah, وَالْحِكْمَةِ, et de la sagesse. Donc, ce qui a été récité parmi ce qui a été révélé, il y a aussi la sagesse, le hadith. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, n'est-ce pas, on m'a donné le Coran et une chose équivalente avec, qui est la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation au même titre que le Coran.
La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'elle est prouvée, qu'elle est authentifiée, alors il est obligatoire d'y croire, de la pratiquer, de la comprendre, de la méditer, de la mémoriser, de la pratiquer, de l'enseigner, comme le Coran. Et d'ailleurs, la sunna vient plus détaillée que le Coran. C'est pour cela quand Ali ibn Abi Talib a envoyé Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu an Abi polémiquer avec les Khawarij, les Kharijites. Il leur a dit, ne discute pas avec le Coran, avec eux, car le Coran a plusieurs faces. Polémique avec eux, avec les hadiths. Car le Coran, selon eux, les Khawarij ou les égarés, ils n'expliquent pas le Coran selon le sens qu'il a été révélé. Ils ne l'expliquent pas avec les hadiths. Ils ne l'expliquent pas avec la compréhension des sahaba ou le tafsir des sahaba. Donc ils peuvent faire dire au Coran ce qu'ils veulent. Mais les gens de la sunna comprennent le Coran avec le Coran, avec la sunna, avec les paroles des sahaba, avec la bonne compréhension de la langue arabe, avec tout ceci. Et non pas selon leur passion. Ceux qui expliquent le Coran bir ray, avec l'avis. Et ceci est madmoum, reproché par Allah tabaraka wa ta'ala, puis par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba avaient détesté cela. Et les salafs aussi, les pieux prédécesseurs, avaient détesté celui qui parlait dans la religion avec son rai, avec son avis. Il est interdit de parler dans la religion avec ton avis, avec ta compréhension, avec ton interprétation. Mais tu parles dans la religion, comme il a dit Ibn al-Qayyim, la science et Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. Il a dit après ça que la science n'est pas que tu mettes en opposition la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole d'un savant, par faiblesse d'esprit de ta part. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-ma'soum, c'est celui qui est préservé de l'erreur. Alors que le faqih, même si c'est quelqu'un de pieux, il n'est pas ma'soum. Il n'est pas préservé de l'erreur. Et il est là pour expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on voit une contradiction dans son explication et que les autres savants l'ont contredit, alors dans ce cas-là, on doit délaisser obligatoirement sa parole, bien qu'il soit un des plus grands savants. L'exemple de cela, c'est à l'époque des sahaba, à l'époque des compagnons. Abdullah ibn Abbas est venu expliquer aux compagnons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils étaient là, ils répondaient, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Qui sont Abu Bakr et Omar, mes frères? Eux, ils disaient, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Abdullah ibn Abbas se fâchait, il leur a dit, je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils disent, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit, les tabi'in, ceux qui sont venus après, il a dit, Wallah, j'ai peur qu'il y ait des pierres qui vous tombent du ciel sur la tête. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Que va-t-on dire aujourd'hui? Quelqu'un, tu lui dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va dire, Hajj Qaddour, ou l'autre qui est ici de cette époque, il a dit. On n'a pas devancé la parole d'Abu Bakr et Omar sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole de qui alors on va devant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Bien sûr, on ne comprend pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon nos passions. On a besoin des savants pour cela. Mais les savants, ils ne se réunissent pas tous sur un égarement. Si par exemple, certains savants se sont trompés dans l'interprétation ou dans un avis juridique, alhamdulillah, il y a d'autres savants de la sunna qui ont répondu, qui ont éclairci, qui ont dit non, ceci est faux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose. Donc les choses sont claires. C'est pour cela qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prendre dans les avis des savants ce qui lui plaît. Car cela est contradictoire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'assimile à ittiba al-hawa, suivre ses passions. Peu importe que tu suives le plus dur ou le plus simple, il ne t'est pas permis de choisir. Tu dois prendre le plus juste. Tu ne parles pas ni simple ni dur. L'islam, il ne t'a pas demandé d'être plus dur ni plus laxiste. Il t'a demandé de suivre la vérité. Dans certains points, il y a des facilités, tu les prends. Dans d'autres points, ces facilités n'existent pas, tu ne les prends pas. Tu es un serviteur. Un esclave, tu te plies. Allah, il a dit debout, debout, assis, assis, couché. Viens au hajj, viens. Allonge-toi, allonge-toi. Recours, recours. Debout, debout. Mange ça, mange. Ne mange pas, ne mange pas. Sami'na wa ata'na. Voilà le musulman. Pas celui qui cherche les failles. Ah oui, mais ça, non, ça c'est dur. Il n'y a pas un savant, il a dit quelque chose d'autre. Dès que tu lui dis quelque chose, dis, mon frère, il y a divergence. Taïb. Il y a divergence. C'est une divergence mu'tabara. Reconnu, qawiyya,
Il y a des preuves ou c'est juste parce que dès que tu entends la divergence, ça y est, tu choisis la vie le plus simple, ce qui t'arrange. Wallahi, ikhwa, il faut qu'on craigne Allah. On va répondre seul devant Allah, yawm al-qiyam. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, puis l'imam ibn Hazm dans Maratib al-Ijma', il a dit, les musulmans sont unanimes. Celui qui cherche toutes les facilités et les exceptions que les savants ont fait pour les suivre, c'est un pervers hérétique. Il y a consensus sur ça. Attention de ne pas se laisser aller par ce piège. Certains vont dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait jamais le choix entre deux choses sans choisir le plus simple. Oui, entre les choses moubah, entre les choses de la vie. Par exemple, il a le choix entre passer ce chemin qui est montagneux et ce chemin qui est droit. Il ne va pas passer par la montagne. C'est un choix que Allah t'a donné. C'est-à-dire que tu as le droit de passer par n'importe quel des chemins. Là. Tout est halal. Mais il ne t'a pas demandé de choisir entre le halal et le haram. Il ne t'a pas demandé de choisir entre le vrai et le faux. Tu n'as pas le choix entre les paroles des ulama. Tu n'as pas le choix. Allah ne t'a pas donné le choix de prendre ce que tu veux de la parole des ulama. Mais il t'a obligé de suivre ce qui te paraît le plus juste. Non. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et ce qui a été révélé avant toi. C'est quoi ? C'est ceux-là surtout qui ont été cités dans le Coran. La Torah, l'Injil, l'Évangile, Zabour, comme ils traduisent les psaumes, et les feuillets. On croit que ces livres, ils ont été révélés de la part d'Allah. Et on croit qu'ils ont été falsifiés par les humains. Donc la Torah et l'Évangile qui existent aujourd'hui, ce n'est pas la Torah qu'Allah a révélée. Ce n'est pas l'Évangile qu'Allah a révélé. Il y a du vrai et du faux dedans. C'est pour ça qu'il est interdit aujourd'hui pour un musulman d'y avoir accès ou d'y avoir retour. Ou de s'appuyer dessus. Ou de l'étudier, sauf si c'est pour répondre, si c'est quelqu'un, un spécialiste, qui les étudie pour répondre et pouvoir appeler à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais pour le commun des musulmans, c'est interdit. Car c'est une cause qu'il ait des choubahats, des doutes dans son cœur, ou des choses équivoques. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar lire un feuillet de la Torah. Il s'est fâché. Il lui a dit, Wallahi ya Omar, si Moussa était vivant, rien ne lui serait possible si ce n'est de me suivre. Ça l'a fâché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de voir qu'il jette l'œil sur autre chose. Alors qu'en Omar, ce n'est pas par doute qu'il a fait ça. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Non. Donc, ceci nous prouve que l'on croit que ces livres ont été révélés, mais que l'on croit, comme le Coran aussi a dit, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, qu'ils ont été falsifiés. Et que ceux qui sont présents aujourd'hui, ce ne sont pas les livres qui ont été révélés, mais c'est un mélange entre le vrai et le faux. وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ. Et ceux qui ont la certitude dans l'au-delà. Alhamdulillah, ce qui pousse le croyant, ce qui le motive, c'est quoi ? C'est de croire dans ce pilier de la foi, l'akhira. Quand on dit l'akhira, l'au-delà, cela comporte tout ce qui se passe à partir du moment de la mort. Donc la mort, le monde invisible, le monde du barzakh, le monde intermédiaire de la tombe, comme ils appellent le monde de la tombe, puis le jour du jugement, le paradis, l'enfer, etc. Il est compris en cela aussi les signes qui sont liés à la fin du temps, à la fin des temps, car ils sont introduits dans la croyance du jour dernier, car ce sont les signes qui devancent le jour dernier. Et il n'est pas permis à quelqu'un de parler de ces choses-là si ce n'est par un texte clair du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas le droit de faire des estimations, de polémiquer, des estimations stratégiques ou politiques ou je ne sais quoi, géostratégiques, pour dire oui mais il va se passer telle chose et telle chose à la fin du temps. Non, ce qui est prouvé du Coran et de la Sunna, on le dit. Ce qui n'est pas prouvé, c'est comme s'il parlait dans l'invisible sans science. Et ça c'est haram en islam, c'est interdit de parler sur Allah sans science, c'est un grand péché. Les croyants ont la certitude dans ce pilier de la foi au jour dernier. Ils savent ce qui les attend après cette mort. Et ceci leur donne l'espoir. Et ceci leur donne le courage de patienter face aux épreuves de cette vie. Et ceci leur donne l'espoir d'avoir la grande récompense auprès d'Allah. Et ceci leur donne la crainte de ce qui se passe au jour du jugement dernier et après la mort, comme châtiment
et de ceux que vont subir les égarés, le kuffar ou le munafiqin, dans la tombe puis en enfer. Sallallahu salam wa ta'ala afiya. Oulaika ala hudam min rabbihim wa oulaika humul muflihun. Donc ceux-ci, ceux qui ont ces qualités-là, ceux qui ont ces caractéristiques louées et aimées auprès d'Allah, ils sont sur une bonne guidée de la part de leur Seigneur. Naam. Car même la guidée, elle vient de la part d'Allah. Hudan mir rabbihim. La personne, elle ne peut même pas se guider elle-même. Dans chaque salat, on demande quoi ? Ihdina as-sirat al-mustaqim. 17 fois minimum par jour, on demande Ihdina as-sirat al-mustaqim. Car la guidée est dans les mains d'Allah. Celui qu'Allah veut guider, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah veut égarer, personne ne peut le guider. Donc une guidée qui vient de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Et voilà ceux qui ont eu le succès. Al-falah, c'est le fait d'atteindre toutes ses espérances et d'être préservé envers toutes ses craintes. C'est ça, al-falah. C'est le fait d'atteindre ses espérances et d'être préservé contre ses craintes. Quelle est l'espérance du croyant ? D'avoir la satisfaction d'Allah et son paradis. Et quelle est sa crainte ? De subir la colère d'Allah et son châtiment en enfer. Donc on voit dans ces versets, dans ces premiers versets-là, il parle, subhanahu wa ta'ala, premièrement des croyants et de leurs caractéristiques, de leurs attributs. Puis, après, on va voir qu'il parle des kuffars, des mécréants. Puis, d'une troisième catégorie sur laquelle il va détailler plus, les hypocrites. Donc il a cité les caractéristiques et les attributs des croyants. Comment ils sont ? On va voir juste après comment sont les mécréants, les kuffars. Et après, les munafiqoun, les hypocrites. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadada wa s-sabat. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.